What's up tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière. D'ailleurs je suis en gameplay seul actuellement, prochainement pourquoi pas aussi le faire avec des abonnés, tout ça. J'ai retrouvé la pêche puisque pendant plusieurs jours j'ai pas sorti de vidéo. Il y a eu un petit souci d'ailleurs, même un putain un gros souci à laquelle bah voilà j'ai été bien entouré parce que sinon j'aurais été à l'échec total, hein, je rigole hein, mais non mais voilà, sinon j'aurais galéré encore plus qu'avant que sans, voilà, sans les gens autour de moi. Bref voilà, donc je vais vous raconter à peu près tout ça. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt particulière parce que voilà, je vous propose un petit gameplay hein. Donc des fois je pense que je ferai comme ça où je raconte un peu ma vie, un peu une sorte de vlog, sauf que voilà, Zlatan, j'ai cru que c'était marqué Zlatan mais non, il n'y a pas Zlatan, c'est Zdap. Je me suis dit putain, j'ai trouvé un easter egg, Zlatan, et ils ont mis Zlatan contre le mur, je sais pas pourquoi ils l'ont mis. Bref, donc voilà, donc on se retrouve en fait pour un tout petit gameplay hein. Voilà, d'ailleurs je suis en live là, je suis en live et je suis en train de rien faire parce que d'ailleurs c'est ce que je fais actuellement hein. Je suis en train de poser sur mon lit comme ça avec mon petit café à droite et puis mes petits biscuits, mes petits chocos là à gauche, et en train de parler devant mon gros micro à laquelle bon voilà, je m'ennuie, en plus je me fais un peu chier. Donc je me suis dit pourquoi pas faire une vidéo à laquelle je peux, bah je vous explique un peu la situation, voilà, donc le souci. Donc en gros le souci, sans rentrer plus dans les détails, parce que même si j'aime bien parler de ma vie privée, lorsque ça concerne d'autres choses, je respecte. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'influencer des personnes dans une galère ou que mes abonnés aillent insulter sur Facebook ou des trucs comme ça, c'est pas du tout mon objectif. Ou que des abonnés risquent de m'insulter moi, parce que ça arrive souvent d'ailleurs. Donc voilà, donc est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un vite fait à tuer ou un truc comme ça? Ça c'est un peu chier là. On se fait un peu chier, on attire un peu la police. Donc à mon avis je ferai des gameplays hein, sur plein de jeux différents. Je sais pas forcément que GTA, attention hein, j'ai vraiment pas mal de jeux dans ma liste. Il faut juste que je regarde. Par contre c'est vrai que c'est un peu des jeux qui datent parce que bah depuis 6-7 mois bah j'achète plus de jeux. Parce que je suis envahi par ma vie privée et par d'autres choses, donc forcément bah voilà, ça se cale et puis bah j'ai de moins en moins de temps et bien d'y jouer. Mais voilà, donc en gros qu'est-ce qui se passe dans ma vie privée? Bah c'est simplement j'étais donc en relation, c'est-à-dire j'étais en couple et puis je suis passé de couple à célibataire. Mais bon, j'avais quand même bah ça durait quand même un an et quelques, un an et trois mois je crois, ou quatre mois. Je crois que c'est entre un an, deux mois et un an et trois mois, mais je suis pas sûr de moi. Un an et trois mois, je crois. C'est compliqué. Et puis bon, bah voilà, j'ai décidé de la quitter. Et puis en peu de jours, bah, elle s'est mise avec une personne, voilà. Et puis elle a fait des trucs. Et puis forcément, et bah ça m'a fait mal. Alors pourquoi je l'ai quitté? Il y en a qui vont dire mais t'es trop con aussi. Pourquoi tu l'as quitté? Et bah parce que voilà, c'est des raisons pour tout. Il y a toujours des problèmes dans un couple, surtout en plus en bout d'un an, bah voilà, c'est difficile après de continuer. Et puis il y a des choses qui changent envers, voilà, les personnes changent. Que ce soit de mon côté ou de son côté hein, c'est des deux côtés hein, à mon avis. Voilà, aujourd'hui on va parler de couple, tu sais quoi, voilà, je vais parler de sexe et, et de couple, comme ça vous saurez. Donc oui, bah forcément quand comme le temps il change tout ça, bah forcément les choses changent. Alors je parle pas du sexe, c'est à dire hein, elle va pas dire voilà, c'est pas une michto ou un truc comme ça. Une michto au passage pour les gens qui ne savent pas, en gros c'est une meuf qui est là pour l'argent, des trucs comme ça. Moi je vous confirme que c'est pas le cas hein. Il y en a qui peuvent le dire, c'est facile de dire certaines choses, mais voilà, je vous le dis. Je prends sa défense, même si j'ai pas trop aimé ce qu'elle fait en ce moment, hein, même aujourd'hui. Bah, donc voilà, donc bordel, est-ce qu'il y a par la police qui peuvent venir? Comme ça fait un peu de gameplay, tu vois, pour mes abonnés, s'il te plaît, merci. En plus, vu que. Enfin, remarque, dans l'online maintenant, ils ont un peu changé le mode de difficulté au niveau de la police parce que c'était trop difficile pour eux. D'ailleurs, au passage, avec la 1.13 qui va arriver très prochainement, donc peut-être que je ferai une vidéo avant que ça arrive au niveau des infos. Bien sûr, normalement, il devra la Huntley ainsi que d'autres véhicules super sportifs. Ça c'était la petite parenthèse que j'aime bien faire toujours. Donc on va reparler de sexe et de tout ça. Pourquoi pas. Si vous avez des questions, posez-les dans la barre des commentaires. Parce que moi maintenant je suis célib. Et moi je suis cash, d'accord hein. Alors je vais pas vous le dire par contre avec quelle femme je l'ai fait. Parce que bah forcément j'ai eu plusieurs copines. Je vais pas vous dire avec quelle femme j'ai eu ce genre de choses. Mais si vous voulez poser des questions un peu foufou, bah allez-y, vas-y, oh vas-y, allez. Moi je veux de l'action, tu vois, vas-y bouge tes miches. Oh salut, c'est moi, je suis sur la plage. Vas-y bouge ton cul la putain. Bouge, voilà, bref, fonce là-dedans, enculé, là. Non, je veux pas faire de course, à chaque fois je perds, je comprends rien à ma vie, les gens ils me battent, tout ça, voilà, ça c'est l'excuse française, vous savez, tous les français on dit, c'est la connexion, ma connexion elle est pas bonne, c'est pas vrai, donc,
Oui, donc alors à propos de ça, donc forcément, bah en un an, bah les choses changent et puis je trouve que bah que ça perd sa valeur. En tout cas, je pense que s'il faut se mettre en relation avec une personne, c'est faut pas. Et ça a été quand même une erreur que j'ai faite donc avec cette personne-là, qui a été de peut-être de trop faire en fait, de trop. Et quand je dis ça, attention, je parle pas argent, hein, je parle de le fait de trop se voir, le fait de trop être là, tout ça. Et finalement, bah voilà ça. Au bout d'un moment, bah, ça tue le couple en fait. Faut savoir un peu mettre des distances, mais pas. Enfin voilà, faut pas aussi tromper ou des trucs comme ça, bah, forcément. C'est normal quoi, c'est normal. Ici, les polygames, c'est. Les gens qui ont. Enfin bref, les plusieurs femmes, c'est pas trop toléré ici, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, des gens polygames. Moi, franchement, je m'en bats les couilles un peu. Mais. Oh, vas-y, oh! Oh ma gueule! Oh ma gueule! Oh! Je me suis dit, il allait continuer sur la plage comme ça, le mec, hein. Ah, j'en ai marre des voitures, hein. Maintenant j'ai la ski, j'ai le jet ski qui va partout. Y a rien, putain, y a rien quoi, y a rien, mais rien. Surf rescue, mais bien sûr, elle bouge même pas ta planche. Qu'est-ce que tu veux rescue, putain, qu'est-ce que tu veux rescue? Vas-y là, ils sont la police. J'ai un bonbon pour vous. Allez go, voilà. Donc oui, donc forcément il y a eu des problèmes et puis bon bah j'ai voulu mettre fin, enfin mettre fin. Elle savait très bien de toute façon que voilà que je l'aimais, hein, que je l'aimais. Et puis bon bah alors je sais pas. Et, apparemment, hein, apparemment c'est fait parce qu'elle souffrait et donc elle est allée voir un autre. Voilà, qui est d'ailleurs très moche tout ça. Hein. Je l'assume en plus de ça. Hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas que forcément de la jalousie. C'est le cas, franchement ouais, c'est le cas. Il est très moche tout ça et puis. J'ai pas envie de lui dire bonjour, ouais, un peu la galère quoi, c'est un peu compliqué tout ça, en plus ça s'y fait passer pour un ami ou un truc comme ça, donc c'est vrai que c'est un peu, c'est galère quoi, c'est galère, tu vois, ce monde comme ça, et puis forcément, bah, pendant ces quelques jours, j'avais les nerfs, tout ça, j'étais mal avec elle déjà qui faisait ça, avec l'autre là, en plus enfin son mec, son faux mec, qui m'envoie des messages en faisant la vipère un peu. Hein, en se prenant un peu pour le foufou, tout ça, mais pourtant, à mon avis, il assumera pas en face. Bon, je le verrai un jour. Enfin, d'ailleurs, je le croiserai parce qu'on est de la même ville, donc forcément, forcément, on risque de se croiser. Hop, j'essaie de vous produire un bon gameplay, mais je suis en train de faire de la merde parce que c'est de la merde, parce qu'il y a rien à faire là. Voilà, je suis. Ah ouais putain avec cette musique, vas-y, il y a rien. En plus je sais même pas où je suis là, je sais même pas ce que je fais. Il y a des bateaux ou pas? Donc oh putain l'enculé, oh ça c'est la merde. Ça c'est la merde, voilà. Voilà, sors, tu sors quand tu veux, hein. Je l'appelle Patrick mon joueur. Allez Patrick, hein, tu sors quand tu veux Patrick. Allez, remonte Patrick, c'est bien Patrick. Oh vas-y, on va tuer un peu des gens parce que là je suis soif, tu vois. Et pourtant, les gens, hein, quand j'ai fait ma rupture, je suis pas allé sur GTA et tuer des gens comme ça. Oh putain, yes, un flic, yes. Vous savez pourquoi? Parce que ça fait 2 étoiles. Moi je vous emmerde là. Et toi aussi je t'emmerde. Vas-y, y'a pas un snipe là? Non, putain, y'a pas, y'a que ça là, c'est de la merde là, putain. Ah si, bah si, ah, bah si, je suis con. Oh ouais, on va snipe, on va quick, on va du quick scope. Est-ce qu'on a ce quick scope? Une voiture rouge, c'est pas la voiture de tout à l'heure. Le 4x4. Pop 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 pop. 3-23. 3-23-05. Non, je rigole. Donc bref, au niveau, ah oui, il faut parler du sexe un peu. Est-ce que vous voulez que je parle dans une prochaine vidéo? Pourquoi pas? Que j'attaque des sujets de ce style-là. Je me suis toujours dit que si j'étais en relation, que forcément je parlerais pas de ce genre de choses, mais que voilà, maintenant forcément, vas-y, va te faire enculer toi. Maintenant, bah voilà, je suis seul, tout ça. Par contre, je citerai pas de nom, hein, je suis pas là pour afficher, mais je peux vous parler. C'est-à-dire que s'il y en a qui veulent poser des questions, des trucs comme ça, bah pas de souci. Vous savez quoi, moi franchement, j'ai une vie et j'en profite. Voilà, tant que j'affiche pas et que voilà, je parle tout ça et j'ai ma fierté à moi, bah voilà, pour moi c'est bon, ça passe tranquille, pépère. Donc, si vous voulez, bah, allez-y, posez-moi vos questions, tout ça, je peux vous y répondre. Pas la question du style, est-ce que t'as eu déjà une relation sexuelle? Alors, franchement, réfléchissez un peu, parce que le mec, en 1 an et demi, vous avez cru. Enfin bref, de toute façon, normalement, dans une relation, on n'est pas censé être là pour faire. C'est un bonus. D'ailleurs, ça dure pas longtemps en plus, ce genre de choses. Ça dépend avec qui aussi, hein. Eh oui. Putain, je vais mourir! Oh! Enculé. Vous êtes tous des enculés ici. Putain, je vois que ça fait 9 minutes quand même, je tourne. Donc, si vous avez des questions, des thèmes que vous voulez que j'aborde, eh ben, pas de soucis. Tu sais quoi, je les aborde. Je les aborde, voilà. Cash, voilà, le mec, là, il est comme ça, il est vénère. Ouais, je les aborde, tu vois.
Et je suis vénère aujourd'hui, hein, et je les abandonne. Et je sors de mon cours d'électronique, hein, parce que les gens, hein, qui savent pas, je suis en bac pro. Ouais, attention, hein, bac pro, hein. Et j'envoie du lourd en bac pro, donc SEN, système électronique et numérique. En gros, je fais ce que je viens de dire, voilà. Je fais tout ce qui est électronique, donc ça peut être du top top, tu vois, dans les téléphones, les smartphones, ordinateurs, tout ça, mais ça peut être du moins top top, pour moi en tout cas, comme les machines à laver, tout ça, enfin tout ce qui est des composants électroniques, là-dedans des appareils électroniques, ben, on y travaille. Forcément, dans un appareil électronique, on retrouve des composants électroniques, c'est un peu obligé même. Sinon, l'appareil électronique ne tourne pas, hein, on est d'accord. Et voilà, donc aujourd'hui, c'était une petite vidéo gameplay. Ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos gameplay de ce style là. Si vous voulez que j'aborde ce thème là ou d'autres thèmes, bien sûr sans afficher, parce que je suis pas là pour critiquer ou autre chose, ou insulter ou autre chose, parce que franchement, au lieu de le faire en vidéo, à mon avis, il faudrait peut-être l'assumer, de le dire en face. Ne vous inquiétez pas, j'ai aucun problème de le dire en face, hein, ne vous inquiétez pas pour ça. Ce qui est l'enculé là qui me tire dessus, mais t'es un enculé toi, mais t'es un enculé, mais reviens ma poule, viens. Oh l'enculé! Il m'a tué, j'allais tirer! Hein, ça c'est des moments, à mon avis, ça vous arrive, ça, vous, et ça vous arrive. Le truc, t'es là, tu tires, ou même dans Call of Duty, tu vois, t'es là, tu tires, et puis non, il tue, tu vois, tu tires pas. Tu fais, mais merde, pourtant j'ai tiré! Puis non, t'as pas tiré! Allez, vas-y, il est où l'enculé? En plus, j'étais mort là, là où il y a la croix. Duel. Ouais, d'accord. Aïe, le duel! Oh là là, le duel. Putain, c'est quoi ces trucs de merde? Faut qu'il rajoute des trucs dans GTA 5. Là, vas-y, on va prendre une petite boisson. Voilà, la petite pause café, hein. Le petit coca, Icola. Voilà, le Icola qu'on prend discrètement. Je vais me l'entuber, celui-là. Oh, il s'est entubé, le coca. Voilà, bref. Donc, si vous voulez que j'aborde des thèmes, des trucs comme ça, c'est juste pour vous m'excuser un peu. Bah voilà, j'ai pas pu faire de vidéo, d'informations, parce que bah j'allais mal. Forcément, dans ces situations-là, normalement, on va pas bien, sauf si je l'aimais pas et j'ai voulu le faire, on va dire, un peu comme à la ZUP, quoi. J'ai voulu, voilà, j'étais juste là comme un chien, voulu faire l'amour ou des trucs comme ça. Bah non, et bah non, et bah non, et bah non, voilà, non. Non, j'étais pas là comme un chien, bordel. Voilà, bref, donc, merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Lui, je vais l'entuber. Alors, il arrive ou pas? Il arrive pas. Alors, mon pote là. Ne t'inquiète pas. I'm coming home. Coming to see my mom. Ah non, non. Putain, t'as cru avec un 9 mm, le mec, tu sais, il avait un 9 mm. Vas-y, vas-y. Tu sais quoi? Mon pote! Je vais t'entuber! Je vais t'entuber! J'ai tué ou pas? Enculé! Oh, c'est un 6-9 aussi! Voilà! Ah, c'est n'importe quoi, putain. Non, moi j'aurais dû mieux le imaginer. Voilà, bref, je vous dis à la prochaine. Tout ça, si vous voulez des vidéos que je continue, bah dites-le moi. Si vous voulez que j'arrête ce genre de vidéo, bah j'arrêterai. C'est dommage parce qu'honnêtement, ça change un peu du What's up tout le monde, c'est Christo. Aujourd'hui, on se retrouve pour les Breaking News. Ça change de ça. Oh putain, quoi, mais. Ah, vas-y, Anna! Anna! Anna, vas-y, fils de pute! Bon! Passe, fils de pute! Non, je voulais. En plus, j'ai tellement des voitures de merde dans mon garage, je voulais une voiture, non, fils de... Non, t'as donc... Il est mort ou pas? Il aura stoppé, de toute façon, le temps que j'arrive là-bas, à mon avis, il n'y aura plus le véhicule. Il aura disparu, donc voilà, donc j'ai eu des nausées, tout ça, ces derniers temps, donc j'ai pas voulu faire de vidéo, sinon, je crois que j'aurais vomi ou j'aurais fait un truc comme ça. Oh putain, l'enculé. Oh l'enculé, il revient. Il revient. Et il cherche en plus. Et je niquais. Je sais pas ce qu'il avait comme arme, ça se trouve en fait. Oula, il a été désingué. Hein. Il a été désingué, sachez-le. Bref, merci à tous les gens. Puis je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Attendez, non, j'ai le désingué. J'ai le désingué. Il est dans une voiture, non? Il est où? Il est où cet enculé? Il est sur le toit? Oh l'enculé. Oh, oh ça c'est le patron, ça. Hein. C'est quoi? C'est une église, ça? C'est quoi ça? Oulala, on a affaire à le patron. Panoscope. Je sais même pas où il est le mec, t'sais. Mais n'importe quoi. Mais le mec, il est où? Mais il est où? On peut rentrer là? C'est quoi ça? C'est pas une boutique ça? Ah mais il est là! Ah mais d'accord. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à GTA que... Ah ok d'accord. Ok d'accord, faut que je m'habitue putain de cette petite map. D'accord, oh là là, mais j'étais aveugle.
Bon alors lui, c'est le boss, hein, mais attendez, pour moi il est dans le bâtiment quoi, je comprends pas. Attendez, je vais juste le revoir. Mais il est où cet enculé? Ah, parce qu'on peut passer par en dessous. Ok, bref, je vous dis à la prochaine, ciao ciao! Peace out! Sans plus enculé, bah. Oh! Ça me tarde. Oh, j'arrive, je reviens. T'inquiète, je reviens. Oh oui, oh oui, oh oui, non! 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 Non, je vois. Non! Non! Oui! 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 Oh ouais! Oh, c'est magique!